Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été. On va faire le défi quotidien implacable, réaliser 10 prouesses de vitesse au volant de n'importe quel Pagani. Vous commencez par filtrer sur Pagani et vous prenez n'importe quel Pagani. Voilà, prenez celle qui vous plaît. Moi je vais prendre la Pagani Zonda Cinque Roadster édition Oreo de 2009. Pour faire vos 10 prouesses vitesse, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, le faire sous l'autoroute, c'est le plus simple, mais vous aurez du trafic. Bon, ça c'est un autre problème. Ou soit vous utilisez l'épreuve que j'ai créée pour faire des prouesses de vitesse, où vous serez seul sur l'autoroute, mais vous devrez probablement relancer l'épreuve plusieurs fois pour en avoir 10. Mais vous faites simplement recommencer à la fin de l'épreuve. Moi, pour pas avoir de trafic, je vais le faire via mon épreuve. Vous allez dans Interface de création. Labo d'épreuve, vous faites épreuve personnalisée et vous recherchez un code et vous rentrez le code suivant. 107 253 409 107 253 409. Vous confirmez, vous validez. Vous trouvez une course qui s'appelle Prouesse Vitesse. Vous faites solo. Vous prenez la Pagani qui vous plaît. On va prendre l'Oreo ici. Alors moi je vais me mettre en semi-AFK tout simplement parce que je vais compter les prouesses vitesse, ce sera plus facile sans faire d'accident. Donc on va faire difficulté et paramètres. Je vais aller dans difficulté. Je vais ici mettre freinage assisté et direction automatique. Je laisse en imbattable pour gagner beaucoup de crédits et c'est parti. Je fais la course et on va compter le nombre de prouesses vitesse qu'on a et il en faudra 10. Si on n'a pas assez, on fera recommencer et voilà. C'est parti, je garde simplement la touche enfoncée. Et je regarde l'écran pour voir le nombre de prouesses de vitesse que je vais avoir. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six, sept, huit, neuf, dix, tout juste 10. Admettons que vous n'en ayez pas 10. Ben, vous faites simplement X, recommencer la course et vous le faites une deuxième fois. Si votre voiture va plus vite, vous n'aurez peut-être pas les 10, vous serez peut-être à 7 ou à 8 parce que ça dépend aussi de la vitesse de votre voiture. Et donc on va faire simplement recommencer pour le faire une deuxième fois et comme ça on est sûr d'en avoir 10. Ici j'en ai 10 tout juste, mais on refait une deuxième fois, on commence l'épreuve, je garde la touche enfoncée et voilà, je la refais une deuxième fois et comme ça je suis sûr d'en avoir 10. Maintenant si vous en avez déjà 10, ne recommencez pas. Mais voilà, je garde simplement la touche enfoncée et on est reparti pour une série de 9 ou de 10. Alors pourquoi la course n'en a pas 10 d'office? Parce que ça dépend aussi de la vitesse de votre voiture. Super vitesse, voilà, ça fait certainement 10 maintenant. Ça dépend tout simplement de la vitesse de votre voiture. Et si la course est assez longue, mais elle était prévue pour pas être trop longue non plus, parce que c'est une course générique que j'utilise pour tous les exploits de vitesse chaque fois qu'on le demande dans le jeu. Donc j'ai créé cette course pour ça. Donc si plus tard, par exemple, on vous dira, faites 5 prouesses de vitesse dans une course de rue, eh bien vous retrouverez de nouveau cette course, puisqu'elle est générique. Ça permet aussi de voir un peu l'Oreo en action. C'était la fameuse voiture que vous pouviez obtenir en achetant des paquets d'Oreo. Je ne pense pas que c'est encore disponible. Il y a une vidéo sur la chaîne, mais je ne pense pas que c'est encore disponible. Par contre, il y a encore moyen d'acheter des codes sur Internet qui coûtent, je crois, environ 1 euro, 1 euro 15. Voilà.
Et quand vous avez votre code, vous le rajoutez à votre compte Xbox et vous aurez la voiture. Mais faites attention sur quel site vous allez, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques à ce niveau-là. Donc faites attention. Et voilà, vous avez fini votre défi quotidien à faire 10 prouesses de vitesse. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.